Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. À mesure qu'il progresse vers son objectif de conquête de la nature, l'homme laisse derrière lui un impressionnant sillage de destruction, affectant la terre où il habite et les êtres qui partagent avec lui cette demeure. L'histoire des siècles derniers a ses sombres épisodes. Le massacre des buffles dans l'Ouest américain, le massacre des oiseaux marins par les chasseurs de gibier d'eau, la quasi-extermination des aigrettes pour leur plumage. À ces tueries, l'époque actuelle ajoute un chapitre, une nouvelle sorte d'hécatombe, l'empoisonnement direct des oiseaux, des mammifères, des poissons et de pratiquement toutes les formes de la vie animale au moyen d'insecticides chimiques répandus aveuglément. Selon la philosophie qui semble maintenant guider nos destinées, rien ne doit barrer le chemin aux hommes armés du pulvérisateur. Voilà ce qu'affirmait l'américaine Rachel Carson en 1962 dans son livre Silent Spring ou Printemps silencieux. D'une carrière brillante en biologie marine, ses études vont la diriger vers le militantisme écologique. Son livre accuse certains pesticides d'être dangereux pour les oiseaux et pour l'être humain. Elle témoigna devant le Congrès américain après la publication de son texte. Son apport a permis de lancer le mouvement écologiste dans le monde et au niveau américain d'établir de nouvelles lois sur l'autorisation des pesticides. Le 16 novembre 2023, la Commission européenne a décidé de renouveler pour 10 ans l'utilisation du glyphosate. Ainsi, 60 ans après la première lanceuse d'alerte sur la dangerosité de la chimie de synthèse pour la nature et l'homme, nous comprenons que rien n'a changé. Le business as usual continue malgré les dangers sanitaires. Pour justifier cette décision, la Commission européenne s'appuie sur une enquête de l'OMS classant l'herbicide en 2015 comme cancérogène probable, puis sur une dernière enquête en juillet dernier, de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui n'a identifié aucun domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement, tout en reconnaissant tout de même un manque de données sur le sujet. Le groupe allemand Bayer, qui a racheté le géant Monsanto, se félicite ainsi de cette nouvelle et de pouvoir fournir sa technologie pour la lutte intégrée contre les mauvaises herbes. Il est intéressant de constater que l'Allemagne, la France et l'Italie se sont abstenus de voter, justifiant leur choix par l'incapacité pour l'agriculture de changer de modèle de développement du jour au lendemain. Rachel Carson, dès 1962, prévenait de la dangerosité des pesticides, mais nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'assainir les pratiques agricoles. Ainsi, la Commission européenne estime que la probabilité de la dangerosité est faible, et que peu d'études peuvent contredire cette hypothèse. Pourtant, il suffit de taper « études scientifiques sur les pesticides » sur Internet pour tomber sur plusieurs études, dont une, réalisée en 2021 par l'INSERM, et de lire le compte-rendu pour remettre en question la justification de la Commission. Je cite « L'expertise collective de 2021 dresse un bilan des connaissances dans le domaine au travers d'une analyse critique de la littérature scientifique internationale publiée depuis 2013. Plus de 5300 documents ont été rassemblés et analysés par un groupe d'experts multidisciplinaires. L'expertise commence par une analyse sociologique de la montée des préoccupations concernant les pesticides, et une présentation des connaissances sur l'exposition aux pesticides de la population française, puis elle aborde une vingtaine de pathologies dont les troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant, les troubles cognitifs et anxio-dépressifs de l'adulte, les maladies neurodégénératives, les cancers de l'enfant et de l'adulte, l'endométriose et les pathologies respiratoires ainsi que thyroïdiennes.
Une dernière partie est consacrée à des pesticides ou familles de pesticides particuliers, comme le chlordécone, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. L'exposition en milieu professionnel nous dit ceci. L'expertise confirme la présomption forte d'un lien entre l'exposition aux pesticides et six pathologies. Lymphome non hodgkinien, myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique, obstructive et bronchite chronique. Pour certaines, il a été possible de préciser des liens de présomption forte avec des substances actives, comme le malathion, diazinon, lindane, DDT, et avec une famille chimique de pesticides, les organophosphorés. Et pour la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs avec les insecticides organochlorés et les organophosphorés respectivement. Il s'agit essentiellement de pesticides pour lesquels les études se sont appuyées sur des biomarqueurs permettant de quantifier l'exposition. Les études toxicologiques confirment que les mécanismes d'action de ces substances actives et familles de pesticides sont susceptibles de conduire aux effets sanitaires mis en évidence par les études épidémiologiques. L'étude continue ensuite sur l'exposition pendant la grossesse et l'enfance avec une présomption forte de certains cancers chez l'enfant, en particulier des leucémies et des tumeurs du système nerveux central. Nous pouvons ainsi aisément comprendre que la santé publique européenne est tributaire du bien-être financier de l'agriculture et de tous ses acteurs. Pour diriger tout cela, l'Europe dispose de la PAC, politique agricole commune, créée la même année que la parution de Printemps silencieux aux États-Unis en 1962. L'initiative européenne était de nourrir une Europe exsangue après la Seconde Guerre mondiale. L'idée est plus que louable. Mais qu'en est-il 60 ans après? En France, l'orientation de la PAC pour 2023-2027 se résume en quelques mots. Augmentation des aides, revalorisation du soutien, encouragement des installations, convergence partielle des aides. La France est ainsi dotée d'une enveloppe de 9,1 milliards d'euros par an. La priorité, selon le président de la République, une PAC réformée, plus juste à l'emploi et à l'élevage. Ainsi, la PAC apparaît comme un appareil de subvention permettant aux agriculteurs de survivre dans une mondialisation bien concrète où la concurrence, les marchés financiers et les grands distributeurs contrôlent le destin du pauvre paysan. Si l'agriculture est aujourd'hui tant subventionnée, c'est que le système n'est pas viable sans aide. Entre catastrophes climatiques ou encore prix qui s'effondrent en bourse, pourtant, personne ne remet en question la chute drastique du nombre de petites exploitations et la montée du monopole de certains au niveau européen entretenu par un fort lobbying. La mondialisation agricole et l'explosion des emplois dans le secteur des services dans les années 70-80 a détourné les jeunes actifs du monde agricole. Le remembrement permettant d'adapter les terres à la machine et de permettre un meilleur rendement ainsi que la spécification des régions dans leur culture a engendré encore une baisse des exploitations et une augmentation de la technique et de la chimie dans les exploitations. Selon l'INSEE, en 2019, nous comptions 1,5% d'exploitations en France contre 7,1% en 1982. Où est donc aujourd'hui cette fameuse autonomie alimentaire dont l'Europe rêvait tant à l'après-guerre? Au contraire, l'agriculture n'a jamais été autant en souffrance qu'aujourd'hui. Le 18 novembre dernier, les jeunes agriculteurs du Finistère manifestaient leur mécontentement en retournant les panneaux des villes. Ils dénoncent la politique de la PAC qui leur demande de conserver des terres en prairie pour tout élevage susceptible d'être mis en place, alors que la filière est en berne depuis un certain temps. Ils appellent également l'État à apporter plus d'aide pour permettre la transition écologique. Ainsi, la Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate tout en rappelant que la transition écologique est la seule voie à suivre. Elle a une politique agricole via la PAC qui a spécialisé et réduit le nombre d'exploitations en monopole, malgré le souhait de nombreuses petites exploitations de vivre dignement en proposant des produits bons pour la santé. Elle n'est aujourd'hui qu'une piqûre de liquidité sans cesse renouvelée pour une agriculture qui suffoque et ne permet pas l'autonomie alimentaire des pays membres. Et de plus, les directions données sont à l'opposé d'une réelle transformation de l'agriculture. Appauvrissement des sols et diffusion de pesticides,
perte de biodiversité, concurrence déloyale sur les marchés mondiaux, précarité des petits agriculteurs, dépendance des grosses exploitations au crédit générées par l'achat de machines de guerre. Voilà, concrètement, la politique agricole commune et non une autonomie alimentaire des États membres. La crise Covid, d'ailleurs, a bien montré les défaillances avec de nombreuses ruptures alimentaires constatées partout. Nos agriculteurs souffrent, et ce n'est certainement pas le maintien du glyphosate qui changera la donne. Le système actuel est voué à un échec cuisant dans une contraction du monde qui subit de plein fouet les conséquences d'un réchauffement climatique tous les jours perceptible, dont les assurances peinent à couvrir les méfaits, et dont les effets sont encore largement méconnus. L'agriculture n'a de sens que si elle est proche du consommateur, lui permettant autonomie et prise de conscience du rôle essentiel du paysan dans l'alimentation de la société. Et comme pour tout domaine des activités humaines, celle-ci doit être éthique et de par ce fait proposer des produits de qualité pour la santé humaine. Ce que la Commission européenne nous a proposé par sa décision sur le glyphosate, et donc l'inverse d'une agriculture soucieuse de ses exploitants et de ses consommateurs. Elle nous montre également que son éthique est perpétuellement soumise aux conflits d'intérêts financiers avec de grandes entreprises. Mais en sommes-nous réellement étonnés? C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 oh. C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois? Alors tu vois, Green, absolument. Green.